Je la plains tellement. Bonjour. On n'a pas le temps, on doit aller chercher notre fromage avant que ça ferme. Mais vous êtes sûr? J'interagis. Coucou. Coucou, c'est moi, c'est Manon. J'espère que ça va bien. Il faut que j'interagisse. Je vous présente Manon. Manon Guenot. Voilà, c'est moi. Je fais de très belles photos. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Allez voir son Instagram tout de suite. C'est un ordre. Moi, je donne des ordres à mes abonnés. Il faut. Ouais, il faut. Au bout d'un moment, c'est le bon. Le concept d'aujourd'hui, c'est qu'on va passer une après-midi ensemble au jet. L'idée, ça va être de la défier sur des photos de portraits. Enfin, elle doit faire des portraits de gens au hasard dans la rue. J'ai bien expliqué jusque-là? Ouais, c'est très bien. Voilà, et c'est vous qui allez décider sur Instagram, c'est vous qui avez décidé sur Instagram, puisqu'on a fait des petites stories sondages pour définir le type de personne qu'elle devait interpeller. Et donc, c'est tout de suite. T'es motivé? Je suis super motivé. Cool, n'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr sur Instagram pour les prochains défis photos. C'est parti. T'es prête pour la première photo? Je suis prête. T'es maxi prête? Alors attention, premier vote, nous sommes à 56% pour le marché. Ok. On est à 54% pour shooter une femme. Donc là, tu vas être dans ta zone de confort quand même, hein, un peu déçu. Ok, excellent. Et 61% pour adulte, donc encore plus dans ta zone de confort, je pense. Excellent. Et alors, entre bonnet et lunettes, c'était serré, on est à 51% pour bonnet. Donc tu dois photographier quelqu'un qui a un bonnet, une femme qui a un bonnet. Une voilà, bonnet. Au marché, c'est parti. C'est parti. Moi, j'ai filmé en mode scred, et s'il faut, je sors le 70-200 pour te shooter loin. Merci. Parfait. Bon, avec les masques, c'est peut-être un peu moins facile de nous comprendre, mais on fait le maximum. J'ai quelqu'un qui porte un bonnet. J'ai quelqu'un. T'as vu un bonnet, toi? Bonjour. Enchantée, je m'appelle Manon, je suis photographe et on est en train de tourner une vidéo. En fait, on fait un défi photo et je dois shooter des gens dans la rue. Et là, je dois shooter une femme avec un bonnet. Ah. Est-ce que par hasard, vous seriez OK pour que je vous prenne un joli portrait? Après, c'est pour vous. Ah, c'est pour nous et je peux même vous l'envoyer. La photo sera pas diffusée. C'est pour vous. Prendre quelqu'un de plus jeune? Oh, mais non! Quelle idée! Mais de toute façon, je garde mon masque. Ah, mais totalement, vous pouvez garder votre masque, vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez prendre une de vos créations préférées? Regardez-moi. Super. Est-ce que vous pouvez regarder juste là? Regardez de l'autre côté, juste de l'autre côté. Et regardez-moi. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Bon, réaction à chaud. Bah, je suis ravie. Pas facile quand même. Non, c'était pas facile. Et puis elle était pas hyper à l'aise. Mais bon, c'est normal, les gens sont pas forcément habitués à se prendre en photo comme ça dans la rue par des purs étrangers. Mais bon, il suffit de 2-3 blagues, 2-3 compliments et ça en tout cas, t'es au taquet et du coup, ça met les gens à l'aise. Je suis au taquet. Ouais. Je suis au taquet. C'est ma nature. Voilà. Très on va passer du coup au deuxième vote. Ça, c'était un peu l'échauffement. Super. C'était clairement l'échauffement. On va passer au deuxième mise en situation, deuxième photo. C'est parti. Je suis prête. On arrive au deuxième spot. Le deuxième spot, c'est un lac. C'est le lac. Comment il s'appelle déjà? Le lac des écoles. Le lac des écoles, donc un petit peu sur les hauteurs des jets. Et là, la question, c'est. On va voir les réponses en story tout à l'heure. On n'a pas publié toutes les stories d'ailleurs encore. Qui on shoote? Est-ce qu'on va shooter au bord du lac, qui doit être gelé d'ailleurs, ou est-ce qu'on shoote dans la forêt, qui n'est plus du tout enneigée, hein, puisqu'on est début mars, et il n'y a plus de neige sur les arbres, mais c'est pas grave, on verra sur quoi tu tombes. Je suis prête. Quelle joie d'être dehors, là, il fait beau, la neige est bonne, beau temps, belle neige. Beau temps, belle neige. On n'est pas bien là, Olivier, c'est super, hein. Le beau temps selon Manon. Yeah, vite fait, hein. Alors tu vois, par contre, Manon... Oui. T'es un peu dans la merde si les gens votent lac parce qu'on n'a pas vraiment accès au bord du lac. Je sais pas si tu te rends compte. Va falloir que tu te débrouilles. Vas-y, c'est la forêt. C'est bien la forêt aussi. Hein. On aime la forêt. Ah, la forêt, c'est bien. Les arbres et tout ça. Le lac, c'est surfait un petit peu. Transition luge. Wouh. Merci. Super ouvert d'esprit. On vient de se choper un non merci direct alors qu'on n'a encore rien demandé. En même temps, c'est un coup à avoir, la luge. Non, mais moi, j'en ai fait, quand j'étais gosse, j'en ai fait. Autrefois, on ne faisait pas de ski dans les villages. J'ai fait beaucoup, beaucoup de luge. Ils veulent faire le matin et l'après-midi. Ah bah, c'est inépuisable, hein, les enfants. Non, non. Même les parents qui ont 40, 45 ans. Bah, comme ça, on monte à Ouais, faut y aller, hein. Il pulse. Là, t'avais quelqu'un à shooter, là. Mais de ouf. Il là, était incroyable. Il était super, super il sympa. Il était incroyable. Tout. Ça change du non, j'ai pas envie et du non, merci. En plus, il avait un regard, mais tellement humain. Le papy, tu sais que t'as envie de lui faire des câlins. Donc, oh, mais t'es tant mignon. Tu veux faire un vote où on leur demande est-ce qu'on shoot le vieux monsieur ou est-ce qu'on shoot le vieux monsieur? Est-ce vous qu'on avez shoot le vieux monsieur? Vous avez pas le choix. Ouais. Vieux monsieur ou vieux monsieur, voilà. Qu'est-ce qu'on a en résultat?
Que dit la toile? Que dit ma communauté? Nous avons, où est-ce que je shoote, 86% de lacs, 14% de forêts. Sachant que le lac, on n'a pas accès, on est bien. On a 89% d'hommes adultes, au lieu de 11% enfants-garçons. Donc là, pour le monsieur qu'on vient de croiser, là, pour le monsieur qu'on vient de croiser, ça marche. Et 75% de luges. Et en plus, il avait une luge. Donc moi, je propose que tu te débrouilles et avoir le lac en fond, ça peut le faire du coup. On est parti. Rebonjour. Excusez-moi, il faut que je vous demande quelque chose. Avec Olivier, là-bas, on est en train de tourner une vidéo. Et là, je suis mise au challenge aujourd'hui. Et donc, je dois shooter des gens que je ne connais pas. Oui. Est-ce que par hasard, je peux vous prendre en photo, sachant que je dois vous prendre en photo devant le lac? Devant le lac, oui. Ben, c'est parfait, vous venez avec moi? Bien sûr. C'est bien ce que vous faites, parce que vous interviewez des gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai? C'est les gens les plus intéressants. Hein. Exactement, ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Ça m'est déjà arrivé, parce que j'ai été principal de collège. Je suis passé plusieurs fois à la télé. Hein. Notre collège a été plusieurs fois champion de France en basket, par exemple. Alors, est-ce que je peux avoir votre prénom? Claude. Claude, super. Bah, Claude, enchanté. Je m'appelle Manon et du coup, je suis photographe professionnelle. Bah, écoutez, c'est bien. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, c'est vous le sujet. C'est moi le sujet. C'est vous qu'on shoote. Oui. Est-ce que vous êtes prêt, Claude? Je suis prêt. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu plus vers là-bas, vers le soleil? Le soleil est là-bas. Le soleil est là. Là, comme ça. Venez même un petit peu plus là, mais juste vous allez vous mettre comme ça, face au soleil face un petit peu. Soleil. Voilà, impeccable. Parfait. Votre ami, comment il s'appelle là-bas? C'est Jackie. Me regardez pas, vous regardez Jackie. Vous allez lui faire un coucou même. Oui, d'accord. Allez-y, regardez-le et faites-lui un coucou. Excellent. Manon, j'ai juste une remarque à faire pour les gens qui nous regardent aussi. La réussite. T'étais censé faire une photo avec une luge aussi, c'était la cousine. Oh, une photo avec une luge. Elle a oublié la luge. Est-ce que vous avez une luge? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez amener une luge, s'il vous plaît? Ah, oh, c'est super. On va au bout. On en a trois, mais amenez les trois, les filles. On a trois luges. Là, je suis bien. Là, c'est bien. Bouge plus. Ouais, je bouge pas. Lâchez pour voir. Mais l'équilibre. Super. Et là, du coup, vous allez essayer comme vous pouvez de me regarder. Et regardez vos petites filles. Excellent, parfait. C'est bon? Claude, on te libère. Merci. Voilà, parfait. Vraiment. Et regardez la forêt là juste derrière. Ouf. Elle est heureuse. On est surtout content de vous avoir rencontré. Hein. Bah ouais, c'est nous aussi, très content. C'est super, merci beaucoup. Bon, ils sont comment là, vos grands-pères? Super. Super modèle. Ouais. Bon Manon, deuxième photo, ça s'est très bien passé. Oui. Merci à toutes ces personnes-là. Et on passe à la... photo suivante. C'est parti pour la troisième photo. Moi, je crois que vous aurez de la peine à trouver aussi bien que nous. Incroyable, mais incroyable les amis, c'était super. On continue. Manon, on part sur 63% pour la motoneige, comme on pouvait s'en douter. Okay. On part sur 61% pour un adulte. Un adulte. D'accord, moi j'aurais vraiment parié sur une petite fille, mais ça va être un adulte sur cette motoneige qui est faite pour les enfants. C'est pas grave. Et ensuite, on a le 70 mm, voilà. Donc il faut que tu changes de focale. Okay. 70 mm, une adulte sur une motoneige. Une motoneige qui est là derrière et qui est faite pour les enfants. Donc déjà, il va falloir que tu négocies avec la personne qui gère les motoneiges. Ça va être très drôle. Merci. Excusez-moi, je suis photographe professionnelle et je dois prendre une nana. Une adulte, femme, sur une motoneige. Est-ce que pour une photo, possible? C'est pour une photo. Mais vite fait, parce qu'on est dans le jus. Ah, mais totalement vite fait. Le temps de libérer une motoneige. On fait partir une fois qu'on fait super. Partir. Super. C'est génial. Merci beaucoup, c'est super. Bah, le temps de trouver... Je vous laisse trouver une... Super. Bonjour. Excusez-moi, je cherche une femme. Je cherche une femme motivée à faire une photo sur une motoneige. Non, pas du tout. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? C'est juste avoir une photo de vous sur une motoneige. C'est le challenge du jour qui a été choisi par notre communauté. Mais on a le temps, il y a un tour qui va se faire. Mais vous restez là, hein? Ouais, parce qu'on attend. Ah, super, parfait. Tu veux pas faire la photo? C'est génial. Ça serait mieux, non? Mais
Mais prends place. Alors super, est-ce que t'es prête? Il y a le patch, non? Alors oui, totalement. Du coup, tu vas regarder devant toi. Super, et là tu vas vraiment genre, tu vas venir sur ton guidon. Là t'es vraiment en pleine course de moto là. Super, et tu me regardes. Tu sais pourquoi les arbres puent? Pourquoi les arbres puent? Oui, parce que les trompettes. Merci Clémence, c'est super. Petit débrief. Alors c'était super, Clémence était vraiment adorable et super gentille, je pense qu'elle a senti qu'elle avait pas le choix donc elle l'a fait, c'était génial. Par contre, le choix de la focale, les gars, plus jamais, genre 70 mm c'est juste pas possible, j'aime pas du tout et cette focale. Et moi je te fais juste un plan chien parce qu'il est trop mignon. Oh, coucou toi. Bonjour. Coucou. Oh, il est beau. Oh bah dis donc, comment tu t'appelles? Ruby. Ruby, qu'il est beau. Moi, les plans genre serrés, ça m'ennuie. C'est joli, il peut y avoir de l'émotion. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un décor? Un décor, c'est beau. On a envie de donner de l'importance à un décor. Et s'il vous plaît, jeunes gens, le décor est un personnage. Vous avez votre modèle qui est déjà un personnage et vous le faites évoluer dans un décor qui est aussi un personnage, d'où le grand angle. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois qu'on est parti pour là. On est parti pour la patinoire. La photo suivante. La photo suivante. La patinoire, on sait pas encore. Photo ouais. Suivante. Donc on a l'idée de la patinoire, mais j'ai envie de mettre Manon sur des patins à glace pour faire la photo mais et shooter passer. Quelqu'un qui est sur la patinoire. Donc faut que t'abordes quelqu'un sur la patinoire et que tu te pètes pas la gueule. Ça doit être pas mal. Donc patinoire ou au milieu d'une route. Oh chaud. Au milieu d'une route. Patinoire ou route. Genre arrêter une voiture et shooter quelqu'un dans sa voiture. C'est chaud. Genre la personne va ouvrir la portière, faire une pause pendant que les gens attendent derrière. Grave chaud. C'est les gens qui décideront. Okay. Mais à mon avis, ils vont voter pour okay. Ça et pas ta patinoire. Très okay. Bien. Votre choix a été 60% de patinoire et 40% de voiture. Ça, c'est petite. C'est moi qui ai proposé la patinoire, c'est toi qui as proposé la voiture. Je trouve que... Pourquoi vous n'avez pas voté pour la voiture, quoi? Elle aurait dû arrêter une voiture au milieu de la route et demander à shooter le conducteur. C'est juste ouf. Ouais, mais c'est plus facile la patinoire. Du coup, la patinoire, c'est plus simple. Ouais, mais il faut que je patine. J'ai quand même envie de te faire la voiture. Ah, mon Dieu. Donc, on va voir. Si on est motivé, on fait les deux. Enfin, tu fais les deux, tu te débrouilles. Je patine pas du tout. Je patine très mal. Voilà. Donc, au final, j'aurais préféré la route. Bon, il va falloir dégainer l'appareil photo là. Hein. Je dégaine. Ok. En fait, c'est simple, soit tu les rattrapes, soit t'attends qu'ils reviennent. J'attends qu'ils reviennent. Hello! Excuse-moi, est-ce que je peux t'arrêter deux petites secondes? Je dois en fait prendre des gens en photo. Ok. Est-ce que je peux te prendre en portrait? Ouais. Ça te chauffe? Ouais. Ok. Alors, reste comme ça déjà. Je me présente, je m'appelle Manon, je suis photographe professionnelle et là aujourd'hui on est en train de tourner une vidéo et je voulais savoir si je pouvais la prendre en photo avec vous. Ouais. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux te coller à ton papa? Tu peux t'approcher un petit peu? Et regarde-moi. Ok, et regarde-moi. Ça fait mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. C'est génial, elle est adorable. Ah, les enfants, excellent. On aime ça. C'était intense. Nom d'un pépin. J'ai hâte d'enlever ces patins. Moi aussi. Rapide débrief, patinoire, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était génial. Pas du tout à l'aise, mais c'était génial. Je pense qu'on l'a vu sur les images. J'ai très envie de te voir arrêter une voiture pour essayer de photographier le conducteur. Je la plains tellement. Je suis en challenge photo et
Est-ce que j'ai un challenge de prendre en photo un conducteur arrêté en plein milieu de la route? Est-ce que je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît? Je suis photographe professionnel. Vous voulez? Super. Est-ce qu'on peut enlever le masque juste pour la photo? Oui, vous voulez. Excellent. Accoudez-vous à la voiture. Excellent. Ok. Excellent, merci beaucoup, c'est top, bonne journée. Ok, c'était trop cool, le mec était super sympa, j'ai dû m'expliquer super rapidement parce qu'au final, bah, les gens arrivaient derrière, il y avait plus de voitures qui arrivaient, j'ai créé un bouchon, mais le mec était trop chaud, il s'est accoudé à sa portière, ça le fait trop, on a notre photo et je vais même recommencer. Bonjour, je travaille pour l'office, on est en plein de challenge photo, je m'appelle Manon, je suis photographe professionnelle. Est-ce que je peux vous prendre en photo s'il vous plaît? On n'a pas le temps, on va aller chercher notre fromage avant que ça ferme. Mais vous êtes sûr? Arrêtez, on a une minute. J'ai du monde à aller chercher là-haut. Oh, allez. Désolé. Bonjour, je m'appelle Manon, je travaille pour l'office de tourisme, je suis photographe professionnelle. J'ai un challenge photo aujourd'hui, je dois prendre des gens que j'arrête sur la route en photo. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Oui, si vous voulez. Oh, c'est super. Ouvrez votre portière, s'il vous plaît. Eh oui, on a une minute. Ok, c'est parti. Vous allez même sortir une jambe de la voiture. Alors là, on se met à fond. Excellent. Super. Et restez comme ça. Et regardez-vous toutes les deux. Et regardez-moi. Excellent. Merci beaucoup, c'est top. Bonne journée. Au revoir. On l'a fait. C'était génial. Bon, après deux refus, je pense que le deuxième mec s'est laissé influencer par la première voiture. Mais on a eu des nanas sympas. C'est super. Génial. En fait, je suis tellement claqué que je sais pas quoi dire pour la fin de la vidéo. On va dormir, couvre-feu. Bon, ciao. Elle a géré. Reste là, elle a géré parce que clairement, le reste là, il était horrible. Pour la photo de bagnole, franchement, je sais pas si j'aurais c'était osé. En génial. Plus, en fin de journée, j'étais KO. Donc merci aux personnes qui sont prêtées au jeu, c'était très cool. Merci à vous d'avoir participé sur Instagram. Merci beaucoup, c'était le feu. Très belle expérience. Ça t'a plu? Ouais, on va refaire. Hein. On va arrêter les gens dans la rue, hein. C'est trop cool. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît sur la chaîne. Je trouve ça sympa, c'est ludique, c'est convivial, c'est divertissant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Manon, pour ta participation. Merci à toi, encore une fois, j'espère que tu as pris du plaisir aujourd'hui. C'était le feu. Merci à la station des Gènes de nous avoir accueillis. Voilà, c'est le hasard du calendrier, mais c'était trop cool. On avait un bel environnement. N'hésitez pas à faire un tour au Gènes. Il y a plein de choses à faire, que ce soit en été ou en hiver. Donc merci à l'Office du Tourisme, à toute l'équipe qui est super cool. Et puis voilà. Ben oui, merci. Voilà, sortez, shootez, faites des photos, des inconnus. Et puis on enregistre un podcast bientôt. À fond. Ensemble. Sur Secret Créateur, n'hésitez pas à suivre mon podcast, il y a déjà une vingtaine d'invités et bientôt il y aura Manon, on va parler de tous ses secrets pour faire des photos comme ça de gens. Ça va être super. Notamment au hasard potentiellement. Restez connectés. À bientôt tout le monde. Ciao. Et puis restez créatifs. Ciao. Parfait. On n'a pas dit aux gens qu'il fallait qu'ils s'abonnent à notre Instagram si c'est pas déjà fait. Ah mais abonnez-vous. Parce que si on refait un défi comme ça, abonnez-vous. Bien sûr, abonnez-vous à notre Instagram. Forçage. Allez, ciao. Vous connaissez la blague du pingouin qui respire par les fesses? Non. Un jour, il s'assoit et il meurt. On est parti.